Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Assassin's Creed Mirage. Dans cette vidéo, Basim est sur le point de retirer le dernier masque d'un des membres de l'ordre et va devoir infiltrer le nid de serpent afin d'atteindre sa cible. Je vous souhaite bon visionnage, à tout à l'heure en fin de vidéo. Alors, que vois-tu ? Apparemment, Ali a décidé d'attaquer quand même le palais. Ces rebelles pourraient distraire les gardes. Toi, celui qu'on ne voit pas, tu penses pouvoir nous aider à franchir ces portes? C'est de l'intérieur qu'elles sont fermées. Vous semblez avides de combattre, mes frères. Je vais voir ce que je peux faire. Je dois faire vite et en silence. Kabiha sera sur ses gardes.
Sois mon allié, il ne m'assure pas. Tu es mort! Tout plaisir! Merci. Tu reviendras. J'ai de la patience. Qu'est-ce que... Tu vas crever! Un peu de musique serait la bienvenue. Et elle attirerait les gardes. Toujours mieux que d'être en poste sur le front grec. Quand on veut faire, on fait tout. Tu joues délicieusement. Alan Saïdi. Je crains que tu n'arrives un peu tôt. Je ne fais que m'échauffer les doigts. Il me semble bien assez chaud pour régaler les oreilles de ses gardes. Oui, peut-être. Mais pas pour rien. Tiens, voilà. Merci de ton soutien aux artistes. Espérons que cela dégagera la porte. Être garde, ça n'a jamais été ta vocation à toi. Allez, hey! Les serviteurs vont où ils veulent. Cet homme pourrait m'aider à ouvrir certaines portes. L'air est si lourd aujourd'hui. Nous vivons des temps bien difficiles. Et très inhospitaliers. Dis-moi. Ne devons-nous pas honorer l'invité comme il se doit ? Absolument. Mais Al-Mutawakkil a été tué dans son palais d'hiver. Et la sécurité a été renforcée. Je vois ça, oui. Partout où je vais, ce ne sont que regards soupçonneux et portes closes.
Si seulement cela permettait de les ouvrir. Si seulement. L'hospitalité se perd, en effet. Bonjour à toi, Sayidi. Ainsi me revoilà. Ah, oui. Tu as changé d'avis ? L'hospitalité se perd, en effet. Bonjour à toi, Sayidi. Il est temps. Examine les lieux. Enkidu, désolé de t'avoir mis en danger. Reste où tu es. Mais qu'est-ce que... Quoi? Qui est devenu ton flair? Non, rien d'autre. Ah, y a rien. Qu'est-ce que c'était ? Alerte ! On a de la visite. Hé ! Hey, qu'est-ce qui se passe? Pour imposer l'ordre, si je me mets à ronfler. Je
Je t'ai déjà raconté la fois où l'émir a été furieux contre le Sahib Al-Shur. Une seconde! Quand je te trouve, je t'écorche! C'est étrange. Quoi ?
moins, ça a fait du changement. Quoi? Il se passe quelque chose? Qu'est-ce que c'était? Je ferais mieux de repartir. Hein? C'est étrange. Mais qu'est-ce que... Je vais te faire taire! N'ayant plus de munitions, je vais sortir du palais afin d'aller chez un marchand, recharger tout cela. Et je reprends l'infiltration à l'entrée d'une brèche dans un mur du palais. أستمر في رؤية هؤلاء القساوسة غريبي الأطوار حقا. حسنا، على بعد ذلك.
Enfin, reste à trouver Kabiha et à sauver Alamut. Voilà, trouvé. Heureux de te trouver. Les rebelles d'Ali, ils sont aux portes. Ouais, elle m'a sauvé. Et elle m'a permis de tuer le chef de la garde de Khorramdin en 23. Je sais que tu mets rarement en colère, mais tu vas voir quelque chose.
Bon. Hein? Qu'est-ce que c'était, ça? Robert! Il y a un meurtrier en liberté! Pour la discrétion, c'est raté. Serviteurs vont où ils veulent. Ainsi me revoilà. Ah, oui. Tu as changé d'avis? L'hospitalité se perd, en effet. Bonjour à toi, Sayidi. Les serviteurs vont où ils veulent. Cet homme pourrait m'aider à ouvrir certaines portes. Viendra. Et j'ai de la patience. L'armure qu'il faut que je conduise le caddie dans le quartier riche de l'art. Il faudrait être fou pour nous attaquer ici. Surtout avec tous ces renforts. Celle que j'ai à la cuisse, je la dois à Talal. On était tous serrés lors d'une embuscade des Grecs, à l'ouest de Kinasrin. Oh, Roman. Tu entends parler de rassemblement de foule ou de réunion. Hey! Ah, rien par ici. Oh oh oh
que des clameurs arrivent déjà. Rage de l'océan, de nombreux volumes d'Arib. Kabeha est une admiratrice. Des livres bleus, noirs, blancs et jaunes. Quel livre pourrait bien choisir Kabeha pour marquer son passage? Elle avait ce livre d'Arib dans son bureau. Que déclamait Arib déjà? Rage de l'océan, j'apaiserai tes tempêtes. Brûlure du désert, je baignerai dans ta chaleur. Frappe comme le cobra, mais plonge en mon sein. Vole comme la colombe, mais viens dans mon nid. Peut-être y a-t-il un indice dans l'un de ses poèmes. Symétrie du ciel, ou océan, désert, cobra, colombe. Alors, c'est ici que va commencer une longue phase de ce petit casse-tête, car je n'avais pas vu déjà qu'il y avait plusieurs pupitres, et je n'avais pas vu aussi qu'au plafond, sur le mur, sur le plafond, il y a aussi des indices pour placer ces livres. Donc, si vous désirez passer cette étape, rendez-vous à 44 minutes 30. Quelque chose a sûrement dû m'échapper.
aperçu qu'on ne voit pas. Tant d'années passées à chercher. À fouiller livres anciens et tombeaux. À exhumer des récits oubliés. À scruter les rumeurs et les mythes. Alors qu'il suffisait d'attendre. Que toi, tu viennes jusqu'à moi. Le fils prodigue est arrivé. Mais il ignore encore ce qu'il est. Ne t'es-tu pas interrogé sur ta nature? Toi, qui vois davantage, qui sais davantage. Même mon fils s'est enquis de ta nature. En voyant ta main toucher et éveiller le présent des anciens. Que suis-je? Tu es plus qu'un homme. Assez d'énigmes! Parle clairement! Pourquoi décrire ce qui peut se montrer? Viens avec moi à Alamut. Sous les murs de son temple se trouve le savoir dont toi seul es l'héritier. Tes prétendus frères préféreraient mourir à te voir t'en emparer. Mais n'aie crainte, Passim. Nous allons préparer le chemin. Et te libérer. Non! Quel poison as-tu léché sur ses lèvres? Elle a dit que j'étais plus qu'un homme. Qu'a-t-elle voulu dire, Roshan? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du temple? Ce lieu est interdit. Il n'y a rien pour toi là-bas. Je t'ai parlé des cauchemars, du djinn. Et tu m'as traité de faible, m'as dit de résister. J'ai essayé maintes fois, mais tu as caché le moyen. Tu m'as laissé lutter seul. Non, pas seul. Tu n'es pas le premier homme brisé à marcher parmi les ombres, Basim. Rassemble tes morceaux et raccommode-les. Ta peine, verse-la dans la confrérie. Purge-toi du venin de cette femme et reviens auprès de nous. Pas plus qu'un homme, mais rien de moins que notre frère. À moi... Que cela ne te suffise pas. Et si c'est le cas? Suis le chemin qu'elle t'a tracé. Et moi-même, je te tuerai. Il faut que je parte d'ici. Que j'annonce à Nihal ce que j'ai appris. Garde! Garde! À moi! Allez, échappez-vous à la justice! Thank you.
Alhamdulillah. Une fois encore, je suis sorti vivant. Et ai laissé le chaos derrière moi. La terre s'est dérobée sous mes pieds. Faut que je retrouve un sol plus ferme. Rentrez chez moi. Retrouvez Nihal. Toujours de l'argent. Ça fait combien de semaines déjà ? Basim, tout va bien ? Basim ? Je ne sais pas. Tu avais raison, Nihal. Mon ennemi, Kabiha, elle détenait les réponses. Et qu'as-tu appris ? Que je ne sais pas tout sur moi-même. Une vérité que Kabiha a tenté de me dire, que mon maître a cherché à cacher. Et cette vérité se trouva à Alamut. Alors partons pour Alamut. J'irai, Nihal. Mais j'irai seul. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi en sûreté. Je ne crains rien avec toi. Et vice-versa. Je risque de ne trouver que le danger et la mort. C'est mon destin. Et je ne m'en détournerai pas. Mais toi, tu n'as pas à l'affronter. Là où tu vas, je vais. Où tu reposes, je repose. Je marcherai derrière toi, à chacun de tes pas. Tu n'es jamais seul. Prépare tes affaires. Nous ne quitterons Alamut que lorsque tu auras les réponses que tu cherches. Thank you.
Général! Roshan? Ce n'est pas l'accueil auquel tu t'attendais, hein? Au moins, tu as eu la chance d'être ailleurs lorsque les Taïrides sont venus nous voir. Que s'est-il passé? Je crois qu'Alamut ne soit tombé. On m'a envoyé chercher de l'aide. Je suis parti dans le désert à la recherche de patrouilles, puis je t'ai trouvé. Est-ce qu'il y avait d'autres gens avec moi? Non. Rien que toi. Alors Nihal est en vie. Et Roshan? J'espérais qu'elle serait avec toi. Viens, frère. Nous devons partir. Chercher les rescapés. Et nettoyer Alamut de cette vermine. Je crains de ne pas pouvoir. C'est grave. Je vais les faire payer jusqu'au dernier. La vengeance n'est pas notre voie, frère. Quoi? Tu te vides de ton sang et tu t'accroches toujours à ce dogme imbécile? À quoi bon? Notre credo n'a pas su défendre Alamut. Et moi non plus. Ni moi. Mais c'est grâce à nos croyances que tu respires encore. C'est pourquoi tu dois sauver ceux d'entre nous qui sont encore en vie. Sur ce point, nous sommes d'accord. Tu as ma parole. Wafakaka Allah, Basim. Il n'y a plus rien à faire, frère. Va, sauve qui tu pourras. Voici qu'arrive la fin de cette vidéo. Waouh, quelle aventure que ça, Assassin's Creed, Mirage. Et moi, je vous attends pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un commentaire si vous le désirez. Et moi, je vous dis... A plus.